Normalement, en live, je vérifie ça. Hop, hop, hop. 19 abonnés! Eh! Celui-là, je l'ai pas renommé. Forge, là. Quoi? Là, je vais faire un live! Ouais. Peut-être. Ok, donc nous allons live sur Last Man Standing, un free to play battle royale. Nous sommes un nombre de 19 abonnés, ce qui est pas du tout dégueulasse. À midi? Re les gens. Ok, donc j'étais un peu AFK, donc début live un peu en mode AFK et aussi un peu en mode bah les couilles. Ouais, là je suis détendue parce que de 1 j'avoue totalement qu'il me cassait les couilles et que voilà quoi. Donc là nous allons jouer à Last Man Standing. Allez, je faisais quelques petits réglages parce que j'ai déjà joué à ce jeu. Mais c'est pas pratique. Allez, Battle is about to start. Parce que j'y avais joué et puis j'avais arrêté parce que ça m'a saoulé et puis je l'ai réinstallé parce qu'en fait c'est cool. Voilà. Et que je ne suis plus le même. Et donc je vais me balader, balader. Et celui qui me l'a cassé, j'étais chaud pour le défoncer. Ça va faire quand même une pas mal 20 lives, je pense. Donc, dans pas longtemps, je pense que j'aurai accès à la haute société. À ceux qui sont recommandés dans les lives. Aux gens connus. Voilà.
Mais là, 19 abos, je suis contente. Vous voyez, vous me faites vraiment plaisir. Parce que 19 abonnés, je pensais pas que j'allais y atteindre aussi vite. J'ai monté de 4 abonnés en 2-3 jours. Ce qui est quand même énorme comparé à ma chaîne qui montait très lentement. Je pense que ouais, c'est vraiment les vidéos gaming qui m'ont permis d'avancer. Et j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Que je fasse souvent des lives et pas vraiment des vidéos préparées. Que je fasse souvent de plus des lives. Ou je fais souvent des concours. Là, j'en fais pas parce que j'aime bien. Je préfère faire mes lives quand j'ai des potes. Mais quand je suis tout seul, j'aime moins, quoi. Ok, ammo crate. Donc on peut prendre des trucs. Je vais pas prendre un airdrop qu'à l'heure. Car je préfère économiser. Donc on va attendre. Et en plus, je sais pas vraiment beaucoup jouer. Donc. File d'attente. What the fuck? Y'avait pas un bâtiment? What? D'accord. Voilà. Ce jeu, c'est un free-to-play battle royale, comme vous avez dû le voir dans le titre. C'est un bon jeu que j'aime bien, parce que c'est gratuit, puis en plus, il me refait énormément penser à PUBG, que je vais peut-être m'acheter. Si vous voulez plus de live sur Counter-Strike, vous me le direz. Parce que j'en fais pas beaucoup. Ah, c'est un jump! Oh, je viens de comprendre. Ah, ils ont rajouté un jump, c'est trop bien. À l'époque, il n'y avait pas ce jump. Ici, on pouvait pas monter sauf en sautant sur la tête de ses potes. Ok, donc j'ai eu un gros moment de mort parce que je fais deux choses en même temps en fait. Et oui. Putain, l'enculé, il m'a fait bugger! Fils de sommeil! Sa daronne, elle boit pas du Sprite, sa maman. J'ai fait éclater des bouts de verre. Pute. Regardez, si je fais ça. Et il va pas trop sur le côté. Non, il va pas sur le côté en plus, je crois. Ah si, il va sur le côté. Pas beaucoup, mais il va sur le côté. Et il faut courir. Pute, jump de merde. Il y a quoi au fait au fond? Ah, il y a un truc. Ah, c'est chiant. Ah, le game va commencer dans pas longtemps. 1 minute 6 et nous rentrons en game. Donc, le but c'est comme dans tous les Battle Royale, finir à être le dernier vivant. Voilà, je suis nul à ce jeu donc je pense qu'on va mourir vite. Pute. Mais je dis beaucoup pute en fait. Hein. Quand même, si quand tu frappes quelqu'un à main nue, il prend autant de sang, c'est quand même un peu what the fuck. D'accord. Ok, les armoires font des bruits bizarres. D'accord.
Ah, ça a commencé. Ah, fuyez, pauvres fous. Que Satan vous bénisse, nous allons tous mourir. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait monter là. Vite, cours, cours, cours. Je m'en mets les couilles. Brr. Ok, donc fight to the death. Battez-vous ou mourrez. Slogan assez sympathique, hein. Maintenant, il faut un temps pour récupérer du matos. Avant, il n'y avait pas ça. Alors, medium ranger distance, c'est cool. D'accord. Protection, pistolet à mot, painkiller, j'en ai pas besoin. Ok, donc je n'ai toujours pas d'armes. C'est un coup à mourir, ça. Ah! Non, non, non! Je vais mourir. Je pense pas que je vais survivre. Ah, ah. Putain, mais je n'avais pas d'armes. Ah, non. Bon. Cette triste réalité. Bon, bah, match complète, hein. Nous sommes 78e. Allez, top 78. On est heureux. Nous avons vécu 4 secondes. Et nous sommes morts en 2 secondes. Mais je pourrais rien faire, en fait. C'est surtout ça, c'est ça qui m'a... qui m'a tué. Connecting to the server. Pas un. Bon, perso moi je serais plus en mode le vieux parce qu'il a un fusil à pompe, donc comme ça juste devant lui, pouf, lui il meurt en cul sec. Genre il fait voler le mec en face quoi, donc il y a plus de chances de survivre. Arc Shield, je sais pas ce que c'est, mais nous allons le prendre. Ah en plus là on est dans une team game où on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps non plus, ça doit être une caserne de pompiers. Ouais, je pense que c'est ça. Donc nous allons monter tout en haut. Oui, oui. Non, ce n'est pas une caserne de pompiers. C'était un HLM. Maintenant suicide. Dans le jeu, je pense que je serais mort. Il n'y a pas une vue première personne. Non, je crois pas. Hop, drift my ride. De là de pimp my ride. Je vais monter à votre place. Ouais, parce que je mets des endroits où il n'y en a pas besoin. Chelou ton jeu, le mec qui baille en plein live. Non mais oh. Hey, y a plus de respect. Ouais, je sais, y a plus de respect. C'est qui le troisième sur le live? Il peut se présenter, s'il vous plaît? Non, il va voir, c'est moi qui vais lui mettre une tarte. Hein. Bon, on se présente sur mon live. On dit bonjour, je m'appelle Daniel, je vais vous apprendre comment gagner 10 000 euros par seconde. Waouh! Il est chelou ton jeu, pourquoi il est chelou? Il est normal mon jeu.
C'était un bon jeu. Non, en fait, c'est surtout que je suis mort parce que j'ai fait de la merde. Mais en gros, là, on est dans la salle d'attente et après, on va être parachuté. Le but, c'est de trouver des armes pour buter les gens. Compris? Sauf quand on a un micro de fils de pute. Ta mère, j'arrive pas à trouver la touche pour voir les joueurs. Waouh, y a pas moyen de fermer sa gueule! De toute façon, ça fait. T'es qui toi? T'es personne si. Je suis Night Raven, conseiller d'orientation en intermittent. Ce n'est pas vrai. Regardez, là, voilà, j'ai une arme. Donc là, je vais pouvoir buter tous les rageux. Et faire fuck les rageux et tous ceux qui n'ont jamais cru en moi. Là, une deuxième arme qui est plutôt de, je crois, si je me souviens bien, de type AK. Donc on va le recharger puis on va jouer avec. Pour la simple et bonne raison qu'il m'a l'air plus puissant. Un bison, je m'en fous. Les soins, ça j'en ai besoin. Vous voyez, ça est painkiller, faut en consommer. Hop. Il y a une touche pour être en première personne, mais je l'ai oublié. Un gun, c'est moins intéressant. Wind and shield, c'est bien. Ça, c'est bien. De toute façon, les munitions, on peut les stocker autant qu'on veut. Hop, ça en prend. Mon but. Vous entendez les coups de tir? C'est de survivre. Le plus longtemps possible. L'arme, le viseur de la deuxième arme est bien. Moi, je suis quelqu'un de conscient. Ou pas. Map. Il n'y a pas de map? Si, il doit y avoir une map, mais j'ai oublié la touche. Ok, donc on est un peu dans la merde, car je ne sais pas la touche pour la map. Faut aller vers où? Mais j'aimerais bien savoir, moi. Contrôle. Prone, crouch, jump, sprint, move, primary fire. Je ne sais, je pense pas qu'il y a des murs, donc on va avancer, hein. Écoutez, j'ai spawné là, donc je pense qu'il faut que j'aille par là. Ça me semblerait logique. Au pire, il y a une grande montagne avec une antenne. Et cette grande montagne, il faut y aller. Donc là, on va bouger. Non, t'es personne. C'est dû à chance d'un, ouais, un peu. Tu te fais bolosser. Tu t'es fait bolosser, ouais. Mais je n'avais pas d'arme. Là, j'en ai une. Je risque de mourir quand même. Là, il y a des HLM. Je sais pas, j'ai pas trop envie de rester sur la route. Hein. Dans 20 secondes, il faudra que je bouge. Ou que j'aie bougé. Il y a quelqu'un. Vas-y. On va y aller. Tout doucement. Ok, par là. Vite, fuis. Fuis. Ouais, je crois que c'est ça le mur, donc techniquement, faut que j'aille par là. Pas le temps de fouiller. Il faut se bouger. Bouger. Putain, il y a des mecs partout. Ah! Fuck! Merde, mais il était où? On peut savoir où il était? Non. Bon, je me suis fait tuer par je sais pas où. C'est toi qui vis dans un HM. Non, ferme ta gueule. Non.
30 secondes le live, hein. 30 secondes s'il vous plaît, je reviens.
Ah, j'avais mon micro coupé sur le live. Ah, bah du coup, j'ai dit plein de bêtises. Enfin, du coup, j'ai dit plein de trucs et puis ça s'est pas dit. Oh, y'a un mec. Y'a un gugus. Chopez-le! Chopez-le! Griffe la mot, c'est parfait pour tuer. Non, il est parti où? Il a dû fuir. Ah, GG. T'es sérieux? Oui. Hein? Bah, tu fais ce que tu veux. Hein? Ok, donc T'as je dit n'ai pas 220, mouru. 240, Je 250, ne 260. comprends pas. On a gagné une Vanity Crate, on va l'ouvrir. After you. Ouais, j'ai le mec qui pousse en l'air. Il met des pouces bleus. Pouces bleus. Tu l'as. GG, tu l'as éclaté. Oui, je suis contente parce que j'ai fait un kill, mais au final, je suis mort. Après, bon, hein, c'est pas grave, mais hein, quand même. Oh, bah attendez, j'ai des loot. Crate. Airdrop. Ah, ça, c'est la vie. 50 mines personnelles. J'aime pas les mines. Double XP. Des mines. J'aimerais bien encore avoir un loot. Un loot. Putain, les mines anti-personnel, j'en ai plein. Ça me sert à rien. Ammo crate. Medical station. On va en avoir plein. Ammo crate. Allez, un petit dernier. Medical. Allez. Allez, on prie. Et oh non. Bon. Et bah. Pas grave, ouais. Allez, play two games. Par contre, à un moment du live, je devrais couper vite fait, hein. Je préviens. Ok, donc j'ai pris le loot crate comme ça dès qu'on spawn on aura du matos.
Les gens, vous avez vu mon airdrop? Parce que normalement, là, il est censé avoir du matos ou... Je sais pas. Alors vous allez me dire les gens qu'est-ce qu'on attend? En fait on attend juste un airdrop qui est censé arriver. Sauf que je vois pas. Bon, au pire on va aller fouiller la baraque et il va peut-être pas tarder à arriver. Je trouve du matos. Ah. Le matos. 600, 600. Ouais, bon. Airdrop paumé. Donc. Oh, l'airdrop, c'est hyper utile. Hein. Wow. Ou peut-être qu'il faut genre un certain temps. Je sais pas. Je pense qu'il faut un certain temps. Là, de toute façon, je récupère une arme et je cours. Là. Ok, donc là faut qu'on continue à courir. Il y a le mur qui va pas tarder. Bah non, on s'en fout. 220, 240, ça rentre pas dedans. Et même s'il y a un bout au bout qui est pas bien placé, c'est pas grave. Mais c'est pas au bout. On n'a pas accès à la MAPS, mais. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ouais. Non. De toute façon, l'airdrop, c'est. C'est pas si intéressant. Non. Ouais. Parce que les armes, on les a pas trouvées. Pied, je peux pas trop me permettre de ne pas avancer. Le blanc, ça va au pied là. Ouf, il est quand même assez proche, on va y aller. Notre but, survivre. Ce qui va être très difficile à cause du mur. Et des gens, du coup, qui vont aussi se replier. On n'est pas tardé à être en sécurité. De toute façon, bientôt la barrière va pas tarder à s'arrêter. Et surtout, elle va pour la mienne aussi. Oui. Hop, on y est presque. C'est là, bon. C'est plus haut, ce qu'il faut là, c'est sécu. Celle-là avec la prochaine tire. On va continuer à y aller quand même, parce qu'il est pas loin. Vitesse où il avance. Là, on peut pas se permettre de s'arrêter.
pense, avec le mur là, on est en sécu, je pense pas qu'il pourra nous rattraper. Bon, il est quand même assez proche, donc on va continuer à y aller. Je vais pas prendre de risques. Le bout, donc tu peux me donner ça. À chaque fois, tu te fais niquer avec ce bout-là. Alors, à mon avis, c'est la même chose. Ok, donc le mur. Je pense qu'on l'a un peu tracé quand même. Bon, pas du tout. Et là, c'est une petite 200-220. Il va nous rattraper, il va nous défoncer. Désolé. Allez, allez, allez. Hop, voilà, on est, je pense qu'on est en sécurité là. Pas la louper. Pareil que l'autre. Ouais. Voilà. Je prends quelques munitions que je n'aurais pas utilisé. Ah, le mur est là-bas. Donc ouais, on a sécurité. C'est bon pour le reste ? C'est une Thor 5 MK5. C'est fait beaucoup de 5 dans une phrase. Là, il va falloir commencer à se battre. Donc... hop, on change les painkillers, on met 3. Fais toujours dans le même sens. Et je mettrai un mur cache. C'est pas le même sens de mon côté. Enfin, si, non. Bah, si. Hop, hop. C'est toujours du même côté, quoi. Toujours le même bras. Hein. Faut continuer à courir. Je pense que je vais aller à l'antenne. En général, il est pas loin du middle. Ok, dis-moi après, pas de soucis, à plus. Dans la flotte, j'ai fait masse bruit. Toujours au-dessus des autres, toujours ça me casse les couilles. Ok, j'ai localisé quelqu'un. Fusée de détresse, il y a quelqu'un par là. Il doit chercher à se repérer. Il y a quelqu'un. Je crois qu'il nous a pas vus. Il doit avoir l'effet de surprise. Restons concentrés. Je sais ce qui a dû passer. Quel middle, il doit pas être loin.
GG. Je re... Heureux, je me fais exploser sur ce jeu, donc on va changer. Hein, clairement. Oui, on quitte. Allez, je me fais exploser, c'est mort. Hein. Non, mais franchement, ça me saoule. Hein. Moi, les gens comme ça qui gagnent sans aucun respect. Non, mais voilà, quoi. Mondialisation. Non, je rigole. On est à combien de temps de live? 49 minutes. Bon, je vais vous laisser là. Allez, ciao tout le monde, c'était Night.